On part de loin parce que c'est une année qui était importante pour lui, où il y avait quand même certaines attentes médiatiques, une attente aussi au niveau de l'environnement du basket. Donc du coup, ça a quand même mis pas mal de pression. On parlait beaucoup de lui, on parlait de lui comme on projetait comme un top 5 de la draft. Donc ce qui a fait que ça a un peu ralenti son évolution. Donc au départ, où effectivement on arrive avec pas mal d'acquis, etc. Où on se rend compte ensuite que la saison a commencé pas obligatoirement comme le club le voudrait. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu beaucoup de choses à améliorer entre les relations, entre Rudy, son coach, l'environnement, et toute cette attente qui était un peu un événement qu'on n'avait pas prévu. Au mon départ, c'est vrai que le premier match ici se blesse. Donc du coup, il trois semaines ensuite à se remettre, il revient et ensuite au niveau de son activité, je pense qu'il n'y a pas de problème, son activité est toujours bonne, d'accord. Au niveau de son temps de jeu, ben, il y a une évolution qui est très bonne aussi. C'est vrai qu'il y a, offensivement, on ne voit pas le laisser de progrès, mais son progrès sont évidents. Mais on voit, on ne s'en rend pas encore compte aujourd'hui. Pour plein de raisons, des choix tactiques. Bon, aujourd'hui, on le considère plus comme un joueur défensif. Mais bon, on voit qu'elle a grandi au niveau de son mental. Parce qu'aujourd'hui, il arrive bien à gérer son environnement et cette pression médiatique qui est permanente. Il arrive beaucoup mieux à finir les matchs sans avoir de problème de faute. Donc, il y a là aussi une évolution. Et techniquement, son tir est beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on lance ses francs et ses tirs, par exemple. Donc, il y a une réelle évolution. On ne se rend pas compte encore de son évolution jeu de panier parce qu'il n'a pas de système en place où il doit jouer à contre un de panier. Donc ça, on ne se rend pas compte, mais il a évolué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une contradiction entre les objectifs individuels et les objectifs collectifs. Mais il faut toujours rappeler qu'avant tout, il faut gagner les matchs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que Rudy, nous, qu'on comprenne que les coachs ont des contraintes, il faut qu'ils gagnent des matchs. Donc on essaye, nous, de sortir l'individu, mais avant tout, il y a le groupe. Donc là-dessus, obligatoirement, une phase pour comprendre ça et s'adapter, c'est important. Bien sûr, donc on le conseille mentalement, puisqu'on lui a conseillé de prendre un psychologue, il travaille avec cette personne depuis déjà un an. Donc c'est l'évolution mentale là-dessus, et c'est une évidence aujourd'hui. On voit, on sent le joueur, mais quand on regarde les matchs, bien sûr qu'on a un rôle de conseil technique, parce qu'on doit faire des mouvements et on recadre, on lui dit voilà, là il faut travailler tel mouvement. Là j'ai demandé de beaucoup travailler son mouvement dos au panier pour que quand il ira faire des workouts, qu'il puisse montrer son jeu de panier. Voilà, donc on est en permanente relation de conseil technique, psychologique, mental, physique. Quoi. Donc on a des problèmes de cheville, on lui a acheté des chevillères, on lui demande de lui mettre tout le temps, on fait attention à son corps, bon, il a fait mal au genou, on lui demande de faire beaucoup de soins. Enfin, on est un rôle de conseil et on n'arrête pas. Non, on n'est pas sur le terrain, mais par exemple, je peux constater qu'un geste technique n'est pas maîtrisé, son tir peut l'améliorer. Et son mouvement dos au panier, on voit de temps en temps, quand il est en situation de jeu de panier, il l'est une fois par match. Et c'est là où il faut le réaliser parfaitement, parce qu'il n'a qu'une seule occasion. Et là, il faut le réaliser parfaitement. Et quand il le réalise, ce n'est pas parfait au niveau de l'équilibre, au niveau de la prise de balle, au niveau de juste regarder, là ce soir on l'a vu, à un moment donné, il pivote et puis on lui vole la balle. Et ouais, il faut savoir bouger la tête. Je lui ai dit, quand tu travailles, avant de faire ton mouvement, regarde pour voir où sont les défenseurs et l'aide. C'est un conseil. Et après, c'est à lui de travailler. Donc quand on voit des choses, on le conseille. Après, c'est à lui de le répéter et d'y penser. On parle avec Jean très régulièrement de son évolution, des problèmes de ses attentes, parce que lui, il a des attentes, et des problèmes et du travail technique. Ouais, le programme, ça dépendra si je suis allé basket en playoff ou pas. S'ils ne sont pas en playoff, on aura plus de temps pour travailler, ce qui veut dire que dès la fin de la saison, Rudy va partir et il va venir à Dallas chez moi. On va travailler physiquement, techniquement, on va lui enlever tous ses petits bobos, enfin on va être préparé à passer un mois
moi, le plus important de sa vie, parce qu'à ce moment-là, il faut se montrer et il faut être au top niveau et pouvoir compétir contre d'autres athlètes qui sont du même niveau que lui. Donc voilà, donc là c'est d'abord le préparer physiquement, techniquement, mentalement, et lui expliquer comment se passent les workouts et comment dominer les workouts. Voilà, donc il y a un programme très chargé à venir. Ouais, j'ai une idée, mais là-dessus, on va rester un peu, on va dire, c'est un peu une partie très, on va dire qu'on garde très confidentielle. Il n'y a pas encore de choix, de date, parce qu'en fait, on va attendre, il va faire ses workouts uniquement au mois de juin, et tout le mois de mai, on va travailler pour le permettre d'être prêt. Il va réaliser environ une dizaine de workouts. Donc après, le choix s'il va être révisé ou pas, les choix stratégiques qu'il faut faire. Donc, est-ce qu'il va aller au camp de Chicago? Probablement oui. Mais tout ça, c'est le choix que je vais devoir faire pour l'aider à être mieux drafté. Non, pas de surprise, parce qu'il est connu, tout le monde vient le voir. On voit ce soir encore Danny Ainge de Boston qui était là. Il y a Cleveland, il y a Charlotte. Il est regardé par tout le monde. Ça va être le joueur international qui va être drafté en premier. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a un autre joueur international, mais qui joue aux États-Unis, qui s'appelle Alexi Lenz, qui peut être drafté avant lui. Parce que c'est un bon joueur qui joue à Maryland, qui fait 2m13 aussi. En dehors des États-Unis, ça va être le premier joueur qui va être drafté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une attention particulière. Mais déjà, nous, on ne reçoit aucune information des équipes. On sent des choses, mais les équipes ne nous disent pas « je vais le prendre », parce que il faut voir jusqu'au bout qui est le meilleur profil. Donc des fois, les scouts disent qu'il faut prendre un tel, mais le propriétaire ou le coach il dit non, moi je veux prendre lui. Donc les scouts rendent des rapports, mais à un moment donné, il y a une décision qui est prise par une personne. Donc on ne sait pas souvent où il va. Des fois, on a des appréhensions, on sent des choses, mais on ne sait pas où il va aller. Donc aujourd'hui, on est dans encore un grand flou, c'est à nous après, d'éclaircir un peu le chemin pour lui et d'essayer aussi de le mettre dans l'équipe qu'on a envie de le mettre. C'est plus compliqué. On parle avec les équipes tous les jours. Hier soir, jusqu'à 2h du matin, on mangeait avec les gens de Charlotte, on est en relation permanente avec les équipes. On fait que ça, là, je vais au camp de Portsmouth, il y a tout le monde. J'ai passé 3 jours à parler de Rudy Gobert. Enfin, ils montrent l'intérêt, mais il y a une partie bluff, parce que comme c'est... Des fois, ils veulent pas que les autres les prennent avant eux, donc ils font style, ils sont pas intéressés pour que derrière, les gens s'excitent pas. Donc oui, c'est un grand jeu de poker. Ils se dévoilent pas trop. Après, il faut sentir les choses, il faut voir quel est l'intérêt, il faut savoir combien de fois ils t'appellent, faut tenir. On a la liste de tous les scouts qui sont venus ici. On a un tableau qui est très grand et qu'on analyse, savoir combien de fois ils sont venus le voir. On s'informe surtout. Mon objectif, j'essaye de mettre Rudy dans l'équipe qui a le plus de besoin d'un joueur comme lui. Donc j'essaye de le faire drafter le plus haut possible, mais en même temps, j'ai un souci d'essayer de le mettre dans l'équipe qui a besoin d'un grand. Donc il y a des équipes qu'on va éviter. Par exemple, on va essayer d'éviter Washington. Ça ne m'intéresse pas que les Washington, ils ont déjà 4 grands, 5. Donc je ne vais pas du tout parler avec Washington. Aucune information, aucun discours. Je ne veux pas que vous le preniez pour essayer de l'emmener dans une équipe qui a un besoin. On a des idées, mais bon, il faut continuer à travailler, voir aussi les trades qui vont se faire. Non, on ne prend pas ça. Non, il part là. J'ai vécu une expérience une fois avec Yann Miami, je ne veux pas le refaire. Le joueur, il est en NBA, mais il est ici, donc il ne travaille plus de la même manière. Il se fait drafter, il s'en va. La D-League, c'est un passage qui peut être intéressant quand le joueur est sur le banc et ne joue pas, mais je ne pense pas que ça va être son cas. On n'en est pas là. Ça serait un beau produit, la Ligue 1.